Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo annonce de mon projet secret. Enfin je vous l'annonce, c'est pas un truc de fou, j'espère que vous attendez pas à un album ou un truc comme ça. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Ça n'a rien à voir. Donc je vais vous révéler mon projet secret. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos que je commençais des études en community management et donc que j'allais plus tard travailler sur les réseaux sociaux et que en soi, les réseaux sociaux, ça m'intéressait énormément. D'ailleurs, je vous ai laissé plein de petits indices sur mon Instagram. Je vous avais demandé si vous aviez deviné et personne n'a deviné quel était le projet secret. Donc du coup, ça va être une surprise, je pense, pour tout le monde. Mais je vais vous l'annoncer maintenant. Donc le projet secret, c'est j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube. Wouh! Donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir. Il y a déjà ma première vidéo qui est sortie. Je vais vous dire bien sûr de quoi va parler cette chaîne. Cette chaîne va parler essentiellement de l'influence, du monde de l'influence, des réseaux sociaux, du community management, des influenceurs, voilà tout ce monde là qui me passionne. J'avais fait une vidéo ma vision des influenceurs, donc vous vous rendez bien compte que je connais plutôt bien ce milieu qui m'intéresse énormément. Et j'ai eu envie de faire une chaîne là-dessus parce que déjà je fais des études là-dedans et du coup ça va me faire un exercice pour, en fait je vais faire de la vulgarisation de tout ce qui concerne ce monde-là, le monde des réseaux sociaux, l'influence, l'engagement, qu'est-ce que c'est l'engagement par exemple, qu'est-ce que c'est que les micro-influenceurs, les nano-influenceurs, etc. Je vais vous expliquer, en fait je vais essayer de vulgariser un peu ces termes dont tout le monde parle mais personne ne vous explique réellement ce que ça veut dire et comment créer du contenu sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, moi c'est un domaine qui m'intéresse énormément. Donc je me suis dit que j'allais en faire une chaîne dédiée parce que je me voyais pas faire que des vidéos sur ça sur ma chaîne principale, parce que ma chaîne principale c'est une chaîne de divertissement slash lifestyle, conseils, etc. Et je me voyais pas tout d'un coup débarquer avec du contenu spécialisé dans les réseaux sociaux pour délaisser en fait mon contenu divertissement. Enfin ça m'intéressait pas trop de faire ça, et surtout que je me dis que peut-être que les gens qui se sont abonnés pour le divertissement ça va pas forcément intéresser de voir une chaîne spécialisée sur qui parle des réseaux sociaux, qui parle d'Instagram et tout. Je me dis que moi ça m'intéresse mais peut-être pas tout le monde, donc je me suis dit pourquoi pas créer une chaîne spécialisée dans ce thème là. Donc comme je vous disais tout à l'heure, sur cette chaîne là on va parler des influenceurs, je vais donner mon avis sur des influenceurs, je vais vous vulgariser des termes, des trucs en rapport avec le monde des réseaux sociaux, de l'influence, de la création de contenu vu que voilà ça m'intéresse. Ce sera aussi sur cette chaîne que je parlerai, que je ferai énormément de vidéos par rapport à mes études en community management, parce que je trouve que c'est quand même lié de faire une chaîne là dessus de faire des FAQ. La première vidéo FAQ restera donc sur ma chaîne principale, mais toutes les vidéos qui concernent mes études seront sur cette chaîne là, enfin sur l'autre chaîne, parce que je trouve que ça a un rapport et que c'est cohérent de faire ça. Donc voilà, il y aura sur cette autre chaîne, il y aura des forums questions sur mes études, mes impressions sur les cours à distance, des routines, organisation des cours, etc. Il y aura tout ça sur ma deuxième chaîne, donc elle s'appelle LJCM. Voilà, le lien est dans la barre d'infos, je répète encore une fois. Pourquoi LJCM? Je sais pas si je vous l'explique là ou si je vous l'expliquerai directement sur ma chaîne secondaire. Bon, ben on va recommencer. Je suis obligée de recommencer cette vidéo, la caméra s'est arrêtée, elle n'a pas enregistré, c'est une blague. Cette chaîne s'appelle LJCM, donc pourquoi LJCM? Je vais l'expliquer ici, je pense pas que je l'expliquerai sur ma chaîne secondaire. Bon voilà, je pense que vous êtes curieux, vous voulez savoir, mais pourquoi LJCM? Alors pour ceux qui suivaient, j'avais une autre chaîne il y a longtemps qui était une chaîne à la base c'était une chaîne de cover, après c'est devenu une chaîne de vlog, après c'est devenu une chaîne de divertissement, après c'est redevenu une chaîne de vlog, où j'avais fait mes vlogmas d'ailleurs, après c'est devenu une chaîne de développement personnel, mais j'ai jamais fait de vidéo développement personnel sur cette chaîne là, et ensuite j'ai complètement arrêté cette chaîne là, qui s'appelait donc LJ. Pourquoi LJ? Parce que c'est les initiales en fait de mon prénom, L et J, et je l'ai contracté en fait dans un seul nom et ça me fait un pseudo qui est LJ. J'avais déjà expliqué il y a longtemps pourquoi comme ça s'écrivait comme ça, mais je pense que c'est pas pertinent de le dire maintenant. Ou alors si vous me le demandez en commentaire, bah, je vous répondrai. Et CM, pourquoi CM? Parce que CM ça veut dire community management. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire community management, ça veut dire communication marketing, et ça voulait dire un autre truc, mais je sais plus ce que c'est.
communication et médias. CM parce que c'est les initiales de ce que je vais traiter sur cette chaîne là. Donc je me suis dit pourquoi pas appeler la chaîne LJCM. Moi ça me va, c'est simple à comprendre. Je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, mais en ce qui concerne le rythme de vidéo, je vais toujours continuer cette chaîne-ci, il n'y a pas de souci, je vais pas abandonner cette chaîne-là au profit de l'autre. Je vais continuer, je vais toujours sortir une vidéo par semaine le dimanche. Et je pense qu'une fois toutes les deux semaines, je publierai sur l'autre chaîne. Je sais pas trop encore comment je vais m'organiser. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, tout ce qui est création de contenu, les réseaux sociaux, les influenceurs, l'influence en général, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma deuxième chaîne. Puis c'est tout, hein. J'ai déjà tourné cette vidéo, mais mon téléphone n'a pas... En fait, n'a pas enregistré la vidéo, donc je ne sais plus ce que j'ai dit, vu que je recommence en fait ce que j'ai déjà dit, je recommence en boucle. Je sais plus trop. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Donc voilà, j'ai déjà sorti ma première vidéo. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la chaîne. Et si ça vous intéresse pas, bah vous restez sur cette chaîne, il n'y aura pas de problème, je continuerai à faire des vidéos sans aucun souci. Donc voilà tout le monde, si l'annonce du projet secret vous a plu, n'hésitez pas à mettre plein de pouces dans les airs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.